vlog. Donc là il est 9h15. Donc aujourd'hui on est samedi comme j'ai pu vous montrer juste avant. Et aujourd'hui ce sera... Attendez, je vais me mettre comme ça vous me voyez. Aujourd'hui ce sera vraiment cool parce que je vais pas faire grand chose, même pas du tout. Je vais vraiment me reposer parce que cette semaine elle était vraiment dure. J'étais fatiguée quand même comparée aux autres semaines. Et donc aujourd'hui je vais vraiment m'attarder au ménage. Je vais faire le ménage et tout ce qu'il y a à faire au niveau rangement. Voilà, bon je vous retrouve tout de suite après. Mouah, gros bisous. Quelqu'un mais qui chante genre juste trop bien. Attendez, je vais vous le montrer. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. Il chante vraiment trop bien, trop bien. Moi je suis pas du genre à écouter beaucoup de musique, mais là sur ce coup-là, franchement il a une belle voix, il chante bien. Voilà, je vous ai fait peut-être découvrir un chanteur, qui sait, mais je sais que je crois que je l'avais vu sur Instagram déjà. Et là, j'ai tapé One Dance de Drake et je suis tombée sur lui. Et il fait plein de remixes comme ça. Il s'appelle Alex Ayono. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà entendu. En tout cas, pour ma part, c'est la première fois que j'entends et trop belle voix. Je vous retrouve que maintenant, il est presque 18h, ouais 18h40, et alors comment vous dire que je me suis tapé la ficha, parce qu'en fait il y a de la famille chez mes parents et moi j'étais pas au courant, je savais pas, donc je suis arrivée en mode schlag, en mode short, en mode t-shirt, voilà, donc j'ai eu trop honte, j'ai dit oh je savais pas que vous étiez là, attendez je vais m'habiller, je reviens, et franchement bon c'est pas très grave, hein, c'est de la famille proche donc c'est tranquille, mais voilà je savais pas du tout, donc je suis arrivée en mode touriste, playa, tout va bien, donc voilà, enfin c'est assez drôle. Et franchement j'ai rien fait de ma journée, j'ai même pas vu le temps passer, c'est ouf, je suis restée genre dans mon lit, je suis restée affalée dans mon lit, en train de regarder des vidéos, être tranquille. Et je suis prête, je porte sur moi un pull comme ça, très fluide et un peu style poncho. Ouais, un petit peu comme ça et j'aime trop parce que je me sens trop à l'aise dedans. Et un jean avec un trou devant, un très simple. Et voilà, je voulais vous montrer cette boucle d'oreille que je trouve genre juste magnifique. Je la trouve trop belle. Et je trouve en fait que ça habille tout de suite l'oreille. C'est trop bizarre mais ça habille tout de suite l'oreille. Et je l'ai acheté sur un site chinois mais je sais plus du tout. Ah, c'est peut-être AliExpress. Je sais plus, je crois que c'est AliExpress, mais je suis pas sûre. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire voilà, où je l'ai acheté et je vous trouverai le nom du site, mais je crois que c'est AliExpress. Je suis pas sûre, je l'ai acheté à 2€, quelque chose comme ça, vraiment pas cher. Mais voilà, dites-le moi et voilà, et je vous donnerai le nom du site.
Bon, bah, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure et je vais aller rejoindre ma famille. Ciao. Maintenant, je suis sortie parce que vous n'aurez pas entendu si je serais restée à l'intérieur. Donc j'espère vraiment beaucoup que ce vlog vous aura plu, même si c'était pas transcendant, c'était pas vraiment un truc de fou. Mais voilà, je vais partager cette petite journée avec vous et moi ça m'a plu, hein, encore une fois. Donc aussi, comme je vous avais dit, j'avais fait une chaîne de vlog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous voulez aller vous abonner, n'hésitez pas, voilà. Et puis voilà, je vais sûrement revloguer demain. Parce que je vais sûrement faire une séance de réflexologie plantaire. C'est pour le pied en fait, c'est un massage chinois, mais je vais vous emmener avec moi, ce sera sur Paris. Et voilà, je pense poster le vlog tout de suite maintenant, ou peut-être pas. Ou peut-être pas, parce que comme il y a du monde, je sais pas en fait, parce que j'aide ma maman en même temps. Voilà, bon bah je vous fais plein de gros bisous et voilà, aussi n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, bien évidemment, surtout sur Snap parce que je suis très active. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et encore merci mille fois pour votre soutien. Ciao.